Flavie Flamand fera son retour sur TF1 dans le cadre du portrait de la semaine de 50 minutes Insight, animé par Isabelle Iturburu. Cependant, des critiques ont déjà fusé sur Internet, des critiques malheureuses sur son physique qui ont circulé sur les réseaux sociaux après la diffusion du teaser de l'entretien, qualifiant notamment son apparence de changée, critiquant sa tenue et allant même jusqu'à dire qu'elle était plus reconnue. Irreconnaissable depuis qu'elle avait pris du poids. En réponse à ses commentaires, Flavie Flamand a très bien réagi. Elle a partagé une photo d'elle, même nue sur Instagram, affirmant qu'elle fêtera ses 50 ans cette année et soulignant qu'elle ne cherche pas à être reconnue, mais plutôt à être connue pour qui elle est et pas pour un physique. Elle a partagé son cheminement avec son image corporelle, évoquant son passé d'anorexie et le fait d'avoir été soumise à la pesée chaque matin, et conclut en encourageant l'amour de soi. Sa réponse a été saluée par de nombreux internautes qui ont tout à fait raison. Il est quand même encore inquiétant en 2024 de juger les personnes sur leur physique et non sur ce qu'ils sont, car le physique, on ne choisit pas toujours comment on peut être, tandis que ce qu'on est, là on choisit carrément. Mais malheureusement, le monde est encore un petit peu trop stupide que pour comprendre qu'il ne faut pas attaquer les gens sur leur physique. Bravo à Flavie Flamand d'avoir répondu de la sorte et en envoyant un petit peu balader tous ceux qui critiquent ce physique, ou en tout cas tous ceux qui critiquent les physiques des femmes qui prennent un petit peu de l'âge. On n'en a rien à foutre, toutes les femmes sont jolies pour quelqu'un.